Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Cet enseignement te sera très utile. This teaching will be very useful to you. Quand on parle de communion avec Dieu, when we talk about communion with God, la méditation est au cœur de la relation avec Dieu. Meditation is at the core of the fellowship with God. La méditation de sa parole. The meditation of his word. Dieu ne veut pas qu'on écoute sa parole et qu'on oublie. God doesn't want us to listen to his word and then forget it. C'est lui-même qui a prescrit la méditation biblique. He himself instructed us to meditate his word. Il a dit médite le jour et nuit. He said meditate day in and day out. Dieu n'a pas dit de lire la Bible. God did not say read the Bible. De méditer, c'est-à-dire c'est au-delà de la lecture. But to meditate, that is beyond reading. Donc si quelqu'un rate cet enseignement, le diable lui a fait du mal. He who missed tonight's meeting has lost. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais manquer d'enseignement. That's why we must not miss the teaching. Parce que ici c'est l'académie, mais les gens ne savent pas que ça existe déjà. Mais because l'académie est déjà là. Because here it is the academy, but people don't know that it's already here, but it is already existing. Hallelujah. Praise the Lord. La méditation biblique, Bible meditation, est l'aspect le plus profond de l'étude biblique d'une manière générale. Is the deepest aspect of the study of the Bible in general. Quand certaines personnes enseignent sur l'étude biblique, when some people teach about the study of the Bible, vous allez remarquer qu'ils commencent à développer les théories de la méditation. You will realize that they are developing the theories of meditation. Pour être bien situé, to be well located, il faut préciser que we must precise that la méditation, meditation, c'est déjà un aspect de l'étude biblique. Is an aspect of the Bible study. Tu peux étudier la Bible sans méditer. You can study the Bible without meditating. Mais tu ne peux pas méditer. But you cannot meditate sans étudier la Bible. Without studying the Bible. Vous notez que you joke that l'étude biblique, the study of the Bible, et je voudrais préciser que le livre sur les rencontres dynamiques, dans les rencontres dynamiques, il y a la méditation dedans. I would like to precise that there's a book, the book about daily dynamic encounter with God. In the dynamic encounter, there is meditation. Je ne suis pas en train de parler ici des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. I'm not talking here about daily dynamic encounter with God. Les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, daily dynamic encounter with God, sont une période, are a moment, de la journée ou de la nuit, of the day or of the night, mise à part, put aside, par un disciple, by a disciple, consacré à la prière, devoted to prayer, à la lecture biblique, reading of the Bible, à l'étude biblique, to Bible study, à la méditation, meditation, à la louange, and praise. Ça peut durer. It can take time. It can take long. La durée dépend de la profondeur de chaque disciple. The period that it takes depends on the depth of donc, each. Ça peut être court comme ça peut être long. It can be short or long. Un jeune converti, a young converted, peut avoir 30 minutes de rencontre dynamique. Can have 30 minutes of daily dynamic encounter. Et un élément, but a point, peut dominer toute la rencontre dynamique. Can dominate all the dynamic encounter. Tu peux prier plus que tu n'as lu la Bible pendant une rencontre dynamique. You can pray more than Bible reading during a dynamic encounter. Et tu peux méditer mais pendant 2 heures. And you can even meditate all along 2 hours. Comme tu peux méditer pendant 30 minutes. As you can also meditate within 30 minutes. Ça s'appelle rencontre
This is in, called encounter. Parce que ça doit te rapprocher de Dieu. Dieu doit descendre. Because God must come down and you come near God. Si tu ne rencontres pas Dieu, si Dieu ne vient pas à ta rencontre, if you don't meet God, if God does not come to meet you, pendant cette période-là, during that period, alors ce n'est pas une rencontre dynamique. Then it's not a dynamic encounter. Ce n'est pas une rencontre vivante ou vivifiante. It's not a life-giving encounter. Et dans la formation des disciples, in the making of disciples, je veux dire dans la vie du disciple, that is in the life of the disciple, les rencontres recommandables sont les rencontres matinales. The encounters that are recommended are those done in the morning. Pour un bon disciple, for a good disciple, tu peux rencontrer Dieu à midi. You can meet God in the, je veux dire at que midday. Tu peux placer cette période à midi. You can put that period at midday. Tu peux placer dans l'après-midi. You can set it in the afternoon. Tu peux placer dans la nuit. In the night. Tu peux placer tôt le matin. You can set it early in the morning. C'est une rencontre dynamique. It's a dynamic encounter. Mais but le conseiller spirituel normal, the normal spiritual advice, va toujours demander will always, will always require que la rencontre soit matinale. That the, in the encounter be morning, be done in the morning. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, dans cette rencontre-là, in that encounter, nous n'allons pas parler de la prière, we are not talking about prayer, de l'étude biblique, and Bible study, de la louange, praise, de l'attente. Il y a une période d'attente, ça fait partie de la rencontre. There is a moment of expectation. This is part of the dynamic encounter. Nous allons prendre un élément, la méditation. We are going to take just one element, that is meditation. Nous allons étudier plus tard comment on mène une étude biblique. Later on, we will study how to conduct a Bible study. Comment on étudie la Bible. So we study the Bible. How we study the Bible. Donc, vous notez donc. So you note this. L'étude biblique. The Bible study a pour but. The aim of the Bible study. D'accroître. Is to increase les connaissances bibliques, the knowledge of the Bible, avec exactitude, with accuracy, géographiquement parlant, geographically speaking, culturellement parlant, on the plan of culture, historiquement parlant, on historical plan. Il faut que quand tu peux faire l'étude de la conversion de Zachée. You can make a study of the conversion of Zacchaeus. Et là, tu dois savoir qui il était. And at this point, you must know who he was. Il travaillait où? Where he was working. Pourquoi il avait pris les biens des autres? Pourquoi? Why did he take the wealth of the others? Pourquoi évoque-t-il lui-même la restitution? Why does he himself talk about restitution? Il tient cette culture de qui? Where does it hold this culture from? Donc vous voyez que quand tu étudies la Bible, tes connaissances augmentent. You see that when you study the Bible, your knowledge increases. À la fin, tu connaîtras bien. Si tu parles de Zachée, les gens auront l'impression que tu viens de son époque. At that time, at the end, when you will know many things about him, and when you talk about Zacchaeus, people will think that you are of his time. Et quand quelqu'un étudie la Bible, and when somebody studies the Bible, ses enseignements sont très profonds. His teachings are very deep. Parce que ça prend le temps. Because it takes time. Et pour étudier la Bible, to study the Bible, on regroupe le maximum de références bibliques possibles. We gather the maximum of Bible references concernant un thème, related regarding a topic, ou un événement, or an event, ou un personnage, or a person, dans le but for the purpose de maîtriser les connaissances relatives à cette personne ou à ce thème, of mastering the knowledge regarding that topic or that person, avec exactitude, with accuracy. Tu peux faire une étude sur le baptême biblique. You can make a study on the Bible baptism. Tu peux faire une étude sur le baptême du Saint-Esprit. You can make a study on the baptism in the Holy Spirit. Ceux qui étudient la Bible sont solides. Are very strong. Ils sont stables. They are stable.
On ne peut pas les tromper. You cannot deceive them. Tu peux étudier toutes les paraboles de Jésus. You can study all the parables of Jesus. Dans quel contexte chacune a été donnée? In what context each of them was given? Et quel est l'enseignement fondamental de chaque parabole? And what is the basic teaching of each parable? Quels sont les gens qui étaient devant Jésus quand il donnait la parabole? What are the kind of people who were before Jesus when he was giving the parable? Comment avaient-ils réagi? How did they react? Quels sont les rapports de cette parabole par rapport à nous, par what rapport à toi? Are the relation of those parables regarding you? Donc nous n'allons pas parler de ça. But we are not going to talk about that tonight. Vous notez que la méditation, you write that meditation, est un exercice à la fois spirituel et intellectuel. Is an exercise which is spiritual as well as intellectual. Et vous soulignez ça. And you underline that. La méditation biblique, parce que beaucoup de gens méditent. There are many people who meditate. Même les sorciers méditent. Even witch meditate. D'autres parlent de méditation transcendantale. Some of them talk about transcendental meditation. Nous parlons de méditation biblique. We are talking about the meditation of the Bible. Je crois que vous allez dire amen, alléluia. Don't you would say amen, hallelujah. Pour montrer que c'est pour nous qui est bien. Just to show that it is ours that is the best one. La méditation est un exercice à la fois spirituel et intellectuel. It is an exercise which is both spiritual and intellectual. C'est-à-dire que la Bible est écrite dans une langue que tu dois maîtriser. That is, the Bible is in a language that you must master. Ça peut être en baoulé. It can be in baoulé. En bambara, en moré. In bambara, in moré. En ewundo. In ewulo. En ewundo. En français, en allemand. In French, in German. Donc tu dois connaître la langue. So you must know the language. Ne prends pas, si tu ne comprends pas l'anglais, ne prends pas une Bible en anglais. If you don't understand English, do not take a Bible in English. Pour méditer. To meditate. Tu vas t'enfoncer. You will mistake. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois respecter les virgules. You must take into account the commas. Pour garder le sens des phrases. In order to keep the meaning of sentences. Vous notez que la méditation vise. You note that meditation aims at. Vise les révélations, l'acquisition des révélations publiques. You know that meditation targets the acquisition of Bible revelation from the Bible. Celui qui médite, he who meditates, grandit rapidement, grows speedily, en révélation. In revelation. Si nous prenons le psaume 119, if we take psalm 119, nous allons écouter le témoignage de David. We are going to listen to the testimony of David. Psalm 119, à partir du verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Il dit, il a plus d'intelligence que les vieillards. He said that he has more understanding than old men. Il est plus instruit que ses maîtres. He is more instructed than his masters. Même even dans cette salle, in this room, les disciples the disciples qui méditent, who meditate,
et dont les faiseurs de disciples ne méditent pas, and whose disciple maker do not meditate, vont réaliser, they will realize, qu'ils ont plus d'intelligence que les faiseurs de disciples, that they are more intelligent than the disciple makers. Ils vont même remarquer que they will even realize, les paroles de leurs faiseurs de disciples inquiètent, that the words of the disciple makers, I mean, are not real, normal. Ils racontent les choses qui sont contre la Bible même. Which are even against the Bible. Parce qu'ils n'ont pas lu ça, ils ne connaissent pas ça. Because they don't know it, they have not read it. Donc un frère qui médite, so a brother that meditates, devient sage, becomes wise, intelligent, intelligent. Il est profond. He's deep. Quand tu l'écoutes, tu écoutes une science. When you listen to him, it's as if you are listening to a science. C'est ce que David témoigne ici. That's what David testifies here. Méditer, meditating, c'est réfléchir donc profondément sur un passage biblique. Is to think deeply over a Bible, a passage from the profondément, Bible. Vous soulignez profondément. You underline the word deeply. Dans un esprit de prière. In a spirit of prayer. Tu réfléchis profondément. You reflect deeply. Dans un esprit de prière. In a spirit of prayer. Et d'attente. And expectation. Devant Dieu. Before God. Afin qu'il te révèle le message qu'il a pour toi à travers ce passage. For him to reveal the message that he has for you through that passage. Parce qu'il y a un but pour lequel Dieu avait parlé de la sorte. Because there was a name for which God spoke that way. Avant même ta naissance. Before you were born. Et tu lui dis, Seigneur. And he said, you tell him, oh Lord. Voici ce que tu as dit. Here is what you have said. À travers Isaïe, à travers Jérémie, à travers Joël, etc. Through Isaiah, Jeremiah, etc. Qu'est-ce que moi je dois comprendre? What shall I understand? Hallelujah. Praise the Lord. Donc la méditation demande une préparation spirituelle. So meditation requires a spiritual preparation. C'est-à-dire que tu te libères des présomptions, des idées préconçues sur les versets. It means that you must free yourself from ideas that are preconstructed. Tu te dis que tu ne connais pas. You tell yourself that you don't know. Tu peux prendre la Bible, dès que tu lis, venez à moi, vous tous, toi-même tu fermes la Bible, tu achèves le passage, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Et tu as l'impression que tu as déjà compris. When you take, for example, the Bible, you read a passage in which it is said, come to me, all you who labor, you can even end the passage because you have the impression that you have understood it. Tu peux lire, je suis le chemin, tu finis la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. You can read. Tu te dis que tu as déjà compris. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. And you just tell yourself that I have understood. Quand tu es brisé, when you are broken, que tu es ouvert, and open, que tu es humble, and humble, que tu n'as pas d'idée préconçue, that you do not have a preconstructed que idea, que tu te libères de ce que tu connais, and you free yourself from what you already know, you know in advance, tu t'attends à Dieu, you expect God. Tu veux qu'il te parle. You want him to speak to you. Dieu peut te parler plusieurs fois et de plusieurs manières à travers un seul verset. God can talk to you, to speak, can speak to you many times and in different ways through only one verse. Je me souviens dans une méditation. I remember in a meditation. Une sœur vivait dans le monde. A sister was living in the world. Moi, je ne savais pas. I didn't know. Elle était veuve. She was a widow. Un jour, Dieu me dit. One day, God told me. Dieu a tant aimé le monde. God has so loved the world. Qu'il a donné son fils unique. That he has given his only begotten son. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. So that whoever believes in him that will not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. That he has eternal life. Et Dieu m'a dit. And God told me. Si tu aimes Madame Bellick. If you love such sister. Donne-lui Jésus. Give him Jesus. Vous voyez comment le verset que je croyais que je comprenais là.
Dieu me parle d'une manière spécifique en utilisant un passage que je récite toujours. God spoke to me in a very specific way using a passage that I used to quote. Dès que j'ai entendu cette parole, as soon as I heard that word, j'ai compris que la sœur n'était pas en Christ. I understood that the sister was not in Christ. Elle voulait m'offrir certaines choses là, je lui ai dit non, il faut laisser. She wanted to offer me something and I said no, leave it, leave it. Un jour, one day, je l'ai trouvée dans le bureau. I found her in the office de mon adjoint. Of my vice. Moi je ne lui parlais même pas, j'ai bombardé l'évangile. I just bombarded the gospel. Et puis je me suis tourné vers elle, j'ai bombardé. And I turned to her and bombarded. Après elle dit, and after she et said, si c'est Dieu qui envoie quelqu'un t'aider? And if God sends you someone to help you. Je dis, ma soeur, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un commettre l'adultère avec toi pour t'aider. God cannot bring someone to commit adultery with you to help you. Les femmes qui étaient là ont ri d'une certaine manière. Or, les femmes connaissaient ce que moi j'ignorais. But the women that were around knew what I ignored. Elles vivaient dans le péché. She was living in sin. Après, elle ne me saluait plus. And after, she did not greet me anymore. Elle appelait mes disciples Jean de Boniface. She called the disciple the man of Boniface. Mais la méditation est une bonne chose. But meditation is a good thing. Parce qu'elle elle exerce ton esprit à entendre la voix de Dieu. Because it is going to exercise your spirit to hear the word of God, the voice of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc tu réfléchis profondément. So you think deep. Dans un esprit de prière. In a spirit of prayer. Et d'attente. Of an expectation. Je peux même ajouter un esprit de foi. I can even add the spirit of faith. De foi, de prière et d'attente. Faith, prayer and expectation. Alléluia. Praise the Lord. Le vrai problème, the true problem, dans l'aspect pratique, in the practical aspect, est toujours comment entendre la voix de Dieu. Is always how to hear the voice of God. Et là, je vous dirai. And at this point, I will tell you. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. We cannot teach it to someone. On ne triche pas. We don't cheat. On peut te montrer le chemin. We can show you the way. Et chacun peut remarquer que Dieu lui parle d'une certaine manière. And each one can realize that God speaks to him in a certain way. Mais d'une manière générale, but generally speaking, quand tu as le texte biblique devant toi, when you have the scripture, the text from the scripture before you, la première chose recommandable, c'est d'éviter beaucoup de chapitres quand tu veux méditer. Ne lis pas beaucoup de chapitres. The very thing that we can recommend you is not to read a lot of chapters. Quand tu lis la Bible rapidement, tu peux lire 25 chapitres, 50, ça dépend de toi. Mais dans la méditation, un seul chapitre est suffisant. In the Bible reading, you can read 25 chapters, many chapters, no problem. But in the Bible meditation, only one chapter is enough. Si tu es jeune converti, if you are young converted, on peut te permettre de lire. We can allow you to read jusqu'à ce qu'un verset t'accroche. Until a verse can move you. Pour des gens mûrs, for people who are mature, il est difficile de lire un chapitre et puis tu ne vois rien. Tu lis un deuxième, tu n'entends rien. Un troisième, non, ça veut dire que tu es malade. It's difficult to read one chapter, a second one, a third one, and you hear nothing. It means that you are sick. À un certain niveau de la connaissance, at a certain level of knowledge, même les noms des villes, even the names of cities, peuvent être porteurs d'un message. Can bear
some messages. Même les noms des personnes. Even the name of the characters. Même les généalogies. Even genealogies. Ça dit si on dit que tel était fils de Judas. That is, if they say such one was a son of Judah. Tu dis ce qu'il vient de faire et la précision qu'on donne sur son origine. You can study. Dieu va te parler. What he has just done and the precision given to you about his origin, God can we speak to you. Alléluia. Praise the Lord. Donc d'une manière générale. So generally speaking. Tu as le texte biblique. You have the Bible, the text from the Bible. La première chose que tu peux noter. The very first thing that you can note. C'est un petit résumé. Is a small summary. Du texte biblique. Of the text, the Bible text. Un petit résumé. A small summary. Et à force de pratiquer la méditation. By dint of practicing meditation, ton esprit peut devenir très exercé. Your spirit can be very exerced. Et tu peux souvent entrer dans la rédaction du message sans ce petit résumé là. You can sometimes get into writing the message without that small summary. Mais pour tous les disciples. But for all the disciples. Pour éviter les extrapolations to avoid off subject, des sorties du texte, getting out of the text, il faut d'abord le résumer. You must first summarize it. La Bible peut parler de l'amour de Dieu. The Bible can speak about the love of God. Et toi tu commences. L'amour est une bonne chose. Tu as déjà raté. And you start, love is a good thing. We have already failed. Parce que le texte ne parle pas de l'amour. Because the text is not talking about the love. Le texte parle de l'amour de Dieu. The text talks is about the love of Donc, God. Dans ton petit résumé, tu mets ce passage nous parle de l'amour de Dieu. In your small summary, you write that this passage is about the love of God. Si tu ne résumes pas. Pour demeurer dans le contexte. If you don't summarize it in order to remain in the context. Tu vas commencer à écrire l'amour est une bonne chose. Il faut aimer les frères, les sœurs. You start quand writing. Quand tu aimes, tu donnes. You start writing that love is a good thing. You must love the brothers and sisters. Tu as déjà raté. You have already failed. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la méditation est à la fois spirituelle et intellectuelle. It is for this reason that we say that meditation is both spiritual and intellectual. Il ne faut pas faire confiance aux hommes qui méprisent les choses intellectuelles parce qu'ils n'ont pas réussi à aller à l'école. Do not trust the people who despise things that are intellectual because they did not succeed at school. Il y a les cours d'alphabétisation. There are alphabetization courses. Si tu ne sais pas lire, if you don't know how to read, il n'est pas tard. It's not late. Les frères du Bénin nous ont montré des prodiges. The brethren from Benin showed us wonders. Des illettrés. Some illiterates. Comme leur faisait disciple, c'est un enseignant. Il les a mis à l'école. Il y en a qui récitent des chapitres de la Bible, des illettrés. The disciple maker is a teacher. He took them to school, and some of them can quote some chapters of the Bible. Nous devons faire cela. We must do that. Il y a certaines personnes que Dieu a appelées. There are some people that God called. Mais ils n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. But they didn't have the favor to go to school. Au lieu d'encourager les gens. Ils dénigrent les diplômes. Instead of encouraging people, they just give some degrees. Il dit, y a des gens qui pensent que c'est quand on a les diplômes que c'est quelque chose. C'est quelque chose, frère. They say that people think that when we have degrees, it is what matters. Yes, it matters, brother. Si tu n'as pas pu, faut pas mépriser. If you have not been able, do not despise. Cette espèce
des serviteurs de Dieu méprisent les méditations, tout ce qu'on fait intellectuellement, les méprisent, il faut marcher par l'esprit. This kind of servant of God despises meditation and whatever needs intellectual works, they despise it. Quand ils prêchent sur tout. When they preach over everything. Pas de plan, pas de début, pas de fin. Ils prêchent seulement, ils parlent seulement. They just speak and speak, no end, no orientation. Ils définissent la vie. Il veut, il définit la mort comme il veut, il définit la vie éternelle comme il veut. They, il ne sait même pas que la Bible a parlé de ça. They define eternal life, death as they want. They don't even know that the Bible talked about that. Tu écris le petit résumé. You write the small summary. Et puis tu commences à écrire le message que tu reçois intellectuellement. And you start writing the message that you receive intellectually. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas, ce que tu peux avoir sans attendre de révélation. What that is what you can receive without expecting revelation. Quand Jésus dit, when Jesus says, n'aie pas peur, do not fear. Qui n'a pas compris? Who has not understood? Qui a compris ce que Jésus a Jésus dit? Who has understood what Jesus said? Donc tu écris ça. You write that. Ça c'est le ce que tu comprends. That's what you understand. Quand Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. When Jesus said you shall have troubles in the world. Prenez courage. Take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Qui comprend? Who understand? Tu écris ce que tu comprends. You just write what you understand. Maintenant, now, si Jésus a d'autres paroles cachées derrière, if Jesus has other words that are hidden behind, il va descendre. He will come down. Tu peux entendre comment il te dit mon fils. You can hear how he can tell you my son. Tu seras attaqué demain. Tomorrow you will face a trouble. Mais j'ai dispersé tes ennemis. Tu entends ça? But I have already scattered your enemies. You can hear that. Est-ce que c'est clair? Is it clear? Je veux regarder quelques exemples ici. I want to show some examples here. Avant de, je veux d'abord qu'on lise ensemble le psaume. I want us to read together Psalm 22. Au verset 2. Verse 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui parle ici? Who is speaking here? C'est qui? Psaume 22, verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. But I am a worm and no man, a reproach of men and despised by the people. Qui parle ici? Who is speaking so? Verset 12. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Be not far from me, for trouble is near, for there is not none to help. Qui parle ici? Who is speaking so? Continue. Let's continue. Lis le verset 17. Verse 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Four dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. Qui parle ici? Who is speaking so? Il sort d'où? So who is speaking so? Jesus. Where is he from? Lis le verset 18. Verse 18. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent.
ils me regardent. I can count all my bones, they look and stare at me. Qui parle? Who's speaking so? Qui parle? Who is speaking? Lis le verset 19. Verse 19. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Qui parle? Who is speaking? Vous savez, you know, la méditation, meditation, est une chose très merveilleuse. Est-ce que le frère Antoine est là? It's something wonderful. Is brother Antoine around? La méditation a transformé Antoine. Meditation has transformed brother Antoine. Un homme qui médite. But I want to say that a man that meditates, son intelligence est entre les mains du Saint-Esprit. His intelligence is within the hands of the Holy Spirit. Dieu te parle. God speaks to you. Il n'y a pas de frontière. There is no barrier. Tu peux être en train d'écrire une lettre. You can be writing a letter. Et Dieu te parle. And God speaks to you. Quand j'étais jeune converti, when I was a young converted, j'ai aimé l'apôtre Paul. I loved Apostle Paul. Quand il introduit ses lettres, il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus. J'ai dit vraiment ça c'est bien. The way he writes the introduction to his letter, he said blessed be the Father of the Lord Jesus. I said okay, this is very good. Il y avait une manière à l'époque, j'ai même oublié, j'ai écrit cette missive, j'ai oublié ce qu'on écrivait. I have a way to write les lettres. The letters in the past. Donc je me mettais à genoux. So I knelt. Et j'écoutais l'Esprit, j'écrivais la lettre. And I listened to the Holy Spirit and write the letter. Un jour, one day, une jeune sœur d'une localité m'avait écrit. A young sister from a locality wrote to me. Elle dit prie pour moi. She said pray for me. Je n'aime pas Dieu. Non, je ne crains pas Dieu. I don't fear God. Et j'étais en train de lui répondre. I was writing the reply. Je voulais lui dire, je t'aime. I wanted to tell her that I love you. Le Saint-Esprit m'a dit, ne lui écris pas ça, elle n'est pas pure. The Holy Spirit told me, do not write this to her, she's not pure. Je n'ai pas écrit. I didn't write. Et puis je voulais lui répondre sur la crainte de Dieu. And I wanted to answer her on the fear of God. Et puis j'ai regardé dans mon cœur. And I looked in my heart. J'ai constaté que moi je ne craignais pas Dieu, moi j'aimais Dieu. I realized that I did not fear God, but I loved God. Et une voix me disait, and a voice told me, les gens qui ont une crainte de Dieu ne vont pas loin. Those who have a fear of God do not go far. Ceux qui ont peur que Dieu va les frapper, s'ils pêchent, Dieu va les juger, ils ne vont pas loin, ils vont pécher et ils vont rétrograder. Those people who are afraid that if they sin, God will judge them, he will strike them, they will not go far, they will backslide. Je lui dis que moi je ne comprends pas ce que tu dis. Moi j'aime Dieu. Mon cœur, je ne vois pas comment toi tu peux vivre de la crainte de Dieu. I told her that I don't understand what you say because I love God. I don't know how you can live from the fear of God. Donc j'ai commencé à lui expliquer comment on aime Dieu. I started explaining her how we love God. Je ne savais même pas qu'il y a un verset qui dit que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je ne connaissais pas ce verset. I did not even know the verse that said that if says that he who fears is not perfect in love. Que la crainte suppose un châtiment. That fear supposes a punishment. Que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. But we love him because he was first to love us. Les vrais enfants de Dieu, the true children of God, vont découvrir, will discover, qu'ils aiment le Seigneur. That they love the Lord. Vous allez remarquer, you realize that des pareilles personnes n'ont même pas tout ce qu'il faut. Such people do not have all that they need. Mais ils demeurent. But they remain. Les frères ne leur rendent même pas visite. Brethren do not even pay visit. Mais ils demeurent. But they remain. On ne leur donne même rien. They don't ils give demeurent. Anything. They remain. Les autres là, the others, tu rends visite.
tu donnes les habits, you give them clothes, tu donnes l'argent, you give money, mais ils rétrogradent. But they backslide. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Je lui ai envoyé la lettre. And I sent her the letter. Quelque temps après, on me dit qu'elle a rétrogradé. Sometime later, I was. They reported to me that elle a commis la fornication. She has committed fornication. Et elle n'est jamais revenue à Christ. And she didn't come to Christ anymore. L'esprit enseigne. The spirit teaches. Hallelujah. Praise the Lord. Donc ici, so here, l'esprit de Dieu, the spirit of God, l'esprit de Jésus, the spirit of Jesus. Vous savez, David, il jouait le clan, 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 clan. You know, David, l'Éternel est mon berger. Pendant quand après, ce n'est plus lui, c'est l'esprit qui commence à parler. The Lord is my shepherd, and after it's not him, it is the spirit which starts speaking. Pour discerner, toi-même, tu peux être confus, mais qui parle comme ça? To discern, you can even be confused. But you ask yourself, who is speaking like this? Et la méditation de chacun devrait être comme ça. And the meditation of each of us must be this way. Ça demande donc que tu sois sans péché. It requires you to be without sin. Parce que l'oreille spirituelle n'aime pas les bruits de la culpabilité. Because the spiritual ear do not like the noise of guilt. Of guilt. Quand tu t'attends, when you expect Dieu, God, il ne faut pas que ton cœur te condamne. You, your heart, you must not condemn you. Il faut te débarrasser de tout péché volontaire. You must get rid of any deliberate sin. Et tu dois être capable de dire que je n'ai aucun projet de commettre le péché. And you must be able to say that I have no project to commit sin. C'est-à-dire quand tu restes devant Dieu comme ça. When you stand before God like il ne faut pas qu'il y ait un petit projet. There must not be a little project. Que si je suis à tel endroit, je vais faire telle chose. In such a place, I will do such thing. Est-ce que c'est compris? Is it understood? Si tu as des mauvais projets, if you have evil projects, ça va faire des bruits. It will make noise. Quand tu te mets à genoux, when you kneel down, tu discutes avec toi-même. You argue with yourself. La parole dit, si ton cœur qui est petit te condamne. The word says that if your word, your heart that is small condemns you. Dieu est plus grand que ton cœur. God is greater than your heart. Mais si ton cœur est calme. But if your heart is calm. La voix de Dieu va se faire entendre. The voice of God will be heard. Il ne faut pas avoir peur. Do not fear. Faut pas avoir peur. Do not fear. L'angoisse, anguish, l'effroi, fear, les inquiétudes, worry, la peur, fear, la crainte, fear. Ce sont les sentiments qui troublent l'âme. These are feelings that trouble the soul. La peur n'est pas un phénomène physique. Being afraid is not a physical la peur, phenomenon. La crainte, l'effroi. Being afraid, fear, ce sont les troubles de l'âme, are the troubles of the soul, qui rendent sourd, which make you mute. La Bible dit que quand Dieu a dit à Moïse d'aller parler aux enfants d'Israël, the Bible says that when God taught Moses to go and speak to the children of Israel, Moïse leur a parlé, Moses spoke to them, mais la dure servitude, but the bondage, les a empêchés de comprendre, in which they were living, prevented them from hearing. La peur, fear, la crainte de l'oppresseur, the fact of fearing the oppressor, peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, can hinder you from hearing the voice of God. La douleur d'une maladie, the pain of a sickness, peut t'empêcher d'entendre ce que Dieu te dit, can hinder you from hearing what God tells you. Dans la sagesse païenne, in the pagan wisdom, on dit que ventre affamé, they say that when you
You are angry, you cannot hear anything. Un enfant de Dieu ne doit pas céder à ces choses-là. Son of God must not yield si to this. Si tu as faim, if you are hungry, tu rends grâce à Dieu. You give thanks to the Lord. Tu glorifies Dieu. You glorify the Lord. Ne pleure pas. Do not cry. Si tu pleures, if you cry, ça va faire des bruits qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. It will make noises that will hinder you from listening, from hearing the voice of God. Ils ont percé mes mains. Ils ont percé mes pieds. They have pierced my hands and my feet. Et là, c'est Jésus qui parlait. And here it is Jesus that speaks. Jésus peut parler par toi. Jesus can speak through you. Pas que tu es là, tu dis, je veux parler. Toi, tu es en train de méditer. Not that you are there, you said I want to speak. You are meditating. Naturellement. Naturally. Et Dieu te parle. And God speaks. Ça produit des bons messages. It produces good messages. Psaume 46. Psaume 46. Je mets l'accent sur l'aspect le plus difficile de la méditation. I am stressing on the most difficult aspect of meditation. Entendre la voix de Dieu. Hearing the word of God, the voice of God. Psaume 46, verset 1. Au chef des chants des fils de Corée, sur Alamot, cantique. Lis le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là, supposons que c'est toi qui écris. Let's suppose that you are the one writing. Donc, Dieu est pour nous. God is for us. Un secours dans la détresse. Dans ton cahier de méditation, tu es. Help in that distress. Continue. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Qui écrit ça? Who is writing this? C'est qui? Le psalmiste, il faut dire le psalmiste. Is the psalmist. Parce qu'il y a des psaumes. Because there are psalms qui ont des auteurs précis. Which has precise writers. On peut te dire que c'est David qui a écrit. You can say that it is David who read it. On peut te dire que c'est les fils de Corée. You can say that it is the son of Korea. Mais là, tu ne sais pas qui a écrit. Il chante seulement. You don't know who is writing. Non, just tu dis c'est le psalmiste. So you say it is the psalmist. Continue. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants rugissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dans la méditation, in meditation, la liberté, la libération de l'esprit est un élément crucial. The release of the spirit is a very crucial point. Vous voyez ici, you see here, il voit déjà loin. Relis. He sees far. Reread it. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Cette partie montre déjà que son esprit est déjà élevé. This part shows that his spirit is already lifted up. C'est pour cette raison que les gens qui ne sont pas joyeux, That's why the people who are not joyful. Si ton esprit ne peut pas s'élever, if your spirit cannot rise up, tu ne peux pas entendre facilement la voix de Dieu. You cannot easily understand, hear the voice of God. Peut-être s'il produit des coups de tonnerre, boom, là, maybe if he produces thunders, boom. Comme il ne passe pas son temps à faire comme le tonnerre. As he does not take his time to produce thunders, parce que Dieu a décidé de parler à l'homme à travers son esprit, c'est-à-dire à travers l'esprit de l'homme. Because God has decided to speak to man through the spirit of man himself. Si bien que quand ton esprit est cloué, so that when your spirit is stuck au sol par les fardeaux, les soucis, is stuck down by burdens, les lamentations, by worries, by lamentations, les craintes, fears, les peurs, fears, tu ne peux pas recevoir grand chose. You cannot receive great things.
Imagine quelqu'un en train de méditer, après il contemple une cité. Imagine someone meditating and after son esprit, c'est-à-dire ses yeux intérieurs sont déjà élevés. It means that his inner eyes are already lifted up. Il contemple la gloire, une gloire invisible. He beholds the glory of the disciple. Ça le prédispose déjà à voir le monde autrement. It prepares him to see the words otherwise. Et entendre certaines choses. He hears some things. Continue. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Ça, c'est une vision de l'esprit. This is the vision of the spirit. God is in the midst. C'est-à-dire qu'il voit. That is, he sees cette cité-là. That city. Et Dieu. And God est dedans. Is in it. Elle n'est point ébranlée. Continue. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Ça, c'est une vision, c'est une contemplation. Des nations s'agitent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Tout ceci, c'est une contemplation. All this c'est qu'il témoigne ici. A contemplation that is testifying here. Si tu peux être à genoux à côté de lui, tu ne reçois pas ça. You can kneel down next to him, but you can't receive this. Alléluia. Toi, tu peux voir les démons qui veulent tuer les frères. Lui il voit. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Toi, tu peux voir Satan avec la queue qui veut te tuer. Lui, il contemple cette cité. Ça, c'est deux personnes différentes. You can see Satan with the tail who wants to kill the brethren, but he is contemplating the city of God. Two different people. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Qui parle là? C'est le psalmiste. N'ayez pas peur, c'est le psalmiste. It's a psalmist. Ça peut être toi. It may be you. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Qui parle? God. Vous voyez, quand ton esprit s'élève, you see, when your spirit is lifted up, il va rencontrer Dieu. He shall meet God. Le péché, sin, les soucis, worry, les angoisses, anguish, les peurs, fear, les froids, and tous ces afraid, mauvais sentiments qui troublent l'âme de l'homme, all these evil feelings that trouble the soul of man, vont clouer ton esprit à terre. Will stuck your spirit down. Il ne va pas s'élever. And it will not rise up. Quand toi tu regardes les choses, when you look at things, c'est un désespoir. It is a despair. Mais quand un autre élève son esprit, but when another one raises his spirit, il voit le bras de l'Éternel qui vient à son secours. He can see the hand of the Lord coming forth. Et il entend la parole de Dieu. And he hears the word of God. Il entend le Seigneur qui dit, ne t'inquiète point. He can hear the word saying that do not worry. Je suis avec toi. I am with you. Donc tu peux avoir ici un frère qui dit alléluia, merci Seigneur. Hallelujah, thanks Lord. Un autre à genoux. Another one kneeling down. Pleure, Dieu, who is crying, Dieu, Lord. Dieu, God. Si tu fais ça, je quitte. If you do that, I will leave. Je veux partir. I will go. Dans le monde en même temps. In the world again. Quelle est la différence? What's the difference? Un a rencontré Dieu. One has met God. Un autre est perdu dans ses problèmes. Another one is lost in his problems. Sans boussole. Without any compass. Parce que ses rencontres ne sont pas dynamiques. Because his encounters are not dynamic. Il ne rencontre pas Dieu. He does not encounter God. Tu dois méditer jusqu'à ce que you must meditate Dieu te parle. Until God speaks to you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'avais un disciple. Attention, mes amis, la méditation, faut pas t'amuser avec. I had a disciple.
Do not joke with meditation. I had a disciple. Si tu es faux, if you are false, tu vas faire des fausses méditations. You will make false meditation. J'avais un disciple qui s'appelait Kingsley. I had a disciple whose name was Kingsley. Il était anglophone. He was anglophone. My son, this is your wife. Ça c'est ça. Il entend Dieu lui parler. Mon fils, voilà ta femme. My son, this is your wife. Mon fils, voilà ta femme. Après, je lui dis Kingsley, attention. After I told him Kingsley, beware. Va doucement. Go slowly. Après, il vient me dire non, tu es un homme de Dieu. After he comes and tell me, no, you are a man of God. Tu es un homme de Dieu. You are a man of God. Il dit Dieu m'a parlé, j'ai vu. He said God spoke to me, I saw. Donc, il change, dès qu'il change une fille. Il vient me dire non, tu as raison, tu es un homme de Dieu. As soon as he changes and takes another sister, he comes and tells him that you are right, you are a man of God. Je prenais toujours son cahier pour voir, parce qu'il faut vérifier les cahiers des disciples après avoir enseigné. And I used to take his copybook and look, because you must check the copybooks, the meditation book of your disciple after teaching. Mon fils, voici ta femme. Here is your wife. Je lui ai dit, ton Dieu parle beaucoup. I told him that your God speaks a lot. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu parle. It's not that way you're speaking that we are talking about. God speaks. Il faut pas rechercher ça. Do not seek that. Il faut rechercher. You must seek la révélation de sa parole. The revelation of his word. C'est là le secret. That is the secret. Ne reste pas tu attends hein, que Dieu va te dire je suis l'Éternel. Do not be there expecting God to say that I am the Lord. Toi tu médites sur la parole. You meditate over the word. Et tu demandes la révélation de quoi? And you ask the revelation of what? The word. Et le Samuel disait que la révélation de ta parole est claire. And Simon said that the revelation of your words in light. Maintenant, si Dieu veut te parler, parce que tu es son fils, if God wants to speak to you, il va le faire. As his son, he will do it. Et tu seras convaincu. And you will be convinced. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. He said, be still and know that I am God. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Frère, quand tu es habitué à ce type de méditation, quand l'heure arrive, toi-même tu veux aller vite. Brethren, when you are used to such meditation, when the time comes, you are in such a hurry. Je vois ici une méditation, je vais essayer de l'exploiter. I can see a meditation here, I'll try to exploit it. Le 21 juillet 1998. June the 21st, 1998. J'ai prié, je dis. I prayed and said. Oh mon Dieu. Oh my God. Permets que toutes les zones soient couvertes. Allow all the zones to be covered. Je pense qu'il était en train d'intercéder pour la ville, pour Abidjan. I think I was interceding for the city, for Abidjan. Et le Seigneur me dit, il faut que les assemblées mettent l'accent sur la multiplication. And the Lord told me that I must put the stress on multiplication. Il me dit, he told me, il faut que tu supprimes toutes les journées d'enseignement. You must cancel all the day of teaching. Jusqu'à la fin de l'année. Until the end of the year. Il me dit. He told me. Il faut qu'il reste les journées de prière. You must only keep the prayer days. Les veillées de prière. The prayer nights. Les croisades de prière. The prayer crusade. Les croisades d'évangélisation. The crusade of evangelization. De délivrance. And deliverance. De prière de baptême dans le Saint-Esprit. Prayer of baptism in the Holy Spirit. L'implantation de l'assemblée and de Kumasi 4. The planting of the church of Kumasi 4. La réouverture de l'assemblée de Kokodi 2. The opening of the assembly. Donc, de Markori 2. Reopening of the assembly of Markori 2.
J'ai prié, j'ai dit, I prayed saying, Seigneur, veux-tu que je m'humilie devant toi dans un jeûne de 30 jours? Do you want me to humble myself in a fasting of 30 days, a partial fasting of 30 days? Oh Seigneur, si je commence un tel jeûne, seras-tu avec moi? Oh Lord, if I start such a fasting, will you be with me? Oh Seigneur. Oh Lord. Si je t'offrais ce jeûne, if I've offered that fasting to you, te sera-t-il agréable? Will it be pleasing to you? Le Seigneur dit, il faut que ce jeûne soit l'expression du corps. And the Lord answered me saying that this fast must be the expression of the body. Qui comprend ce que ça veut dire? Oui. Que tous les frères soient. Vous voyez comment il faut chercher Dieu. You see how you must seek God. Là, ce n'est plus le frère est au Cameroun, toi tu es en Côte d'Ivoire. Here it is no more the brother Zach. Brother Zach is in Cameroon and you are. Il t'a montré le chemin. He has shown them the way. Il dit qu'il faut qu'il soit l'expression du corps. It must be the expression of the body. Il ne doit pas être ton affaire à toi seul. It must not be your matter, you alone. C'est un jeûne d'humiliation. It's a fasting of humbling. Pour que le Seigneur marche devant vous. For the Lord to walk before you. Et qu'il ferme la marche. And that he closes the walk behind. Chacun mettra ce qu'il peut. Each one shall put what he can. Que les veillées se transforment en croisades dans les assemblées. May the nights be transformed into crusades in the assembly. Demandez des conversions authentiques. Ask genuine conversions. Demandez de nouvelles naissances authentiques. And ask genuine new births. Demandez que des sauvés soient ajoutés à votre nombre. Ask that saved people be added to your number. Demandez que les malades parmi vous guérissent. Ask that the sick people among you be healed. Quelle que soit la maladie. Whatever the sickness is. Demandez que tous les possédés soient délivrés. Ask that all those who are possessed be delivered. Demandez que tous les liens soient brisés. Ask that all the ties be broken. Quelle que soit la clé. Whatever the key. Quel que soit le secret. Whatever the secret. Qui soutient ce lien. That support that ties. Demandez la protection spirituelle et physique. Ask du troupeau. Physical and the spiritual protection of the flock. Demandez la protection du ministère et des ministres. Ask the protection of the ministry and the ministers. Demandez l'adversité de Dieu contre les adversaires. Ask the opposition of God against your adversaries. Demandez l'anéantissement des projets de Satan. Ask that the project of Satan be brought to naught. Les projets de Satan, de ses hommes, de ses esprits, de ce système. The project of Satan, of this man, of this spirit, of these systems. Proclamez que le règne, la gloire, la puissance appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Proclaim that reign, glory, power belongs to our Lord Jesus for ages. Vous voyez, quand tu reçois de tels sujets de Dieu. You see that when you receive such topics from God. Tu peux diriger sans dire au frère que Dieu m'a parlé. You can lead without telling the brethren that God has spoken to me. Parce qu'il n'a pas dit à mes enfants ici. Donc, toi, tu as ça comme les outils you have du dirigeant. As tools of the leader. Mais ceux qui ont le discernement peuvent remarquer une cohérence spirituelle. Who have discernment can realize that there is a spiritual coherence. Et ils peuvent remarquer que après les prières, les frères commencent à être délivrés vraiment d'une manière authentique. And they can realize that after the prayer, brethren can be delivered in a genuine way. Pourquoi? Parce que why? Because dans la méditation, in meditation, j'avais consacré une partie à l'attente. I devoted a part of my meditation to the expectation. Pour qu'il donne les orientations, s'il accepterait le jeûne qui était dans ma pensée. To give orientation, if he accepted the fasting which was in my mind. Il est important. It is important que une méditation ait une dimension prophétique. That a meditation has a prophetic dimension.
S'il n'y a pas de dimension prophétique, if there is no prophetic dimension, s'il n'y a pas de dimension révélationnelle, if there is no revelational dimension, ça devient des commentaires bibliques it purs becomes et simples. Bible commentaries. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut vraiment supplier Dieu, you must really plead with God, que ta méditation, that your meditation, te conduise à des grandes révélations, leads you to great revelations, te conduise à entendre la voix de Dieu, leads you to hear the word of the voice of God. C'est une période où Dieu peut te ravir en esprit. It's a period in which God can take you up in the spirit. Quand tu reviens d'une telle expérience, when you come back from such an experience, même si tu es faible, even if you are weak, weak, ça sera, tu seras un autre genre. You will be another kind. Un faible qui a vu la gloire de Dieu. A brother that has seen the glory of God. Alléluia. Praise the Lord. J'ai déjà eu beaucoup d'expériences spirituelles pendant mes moments de méditation. I have already got many spiritual experiences in my moments of meditations. Dieu m'a parlé dans mon esprit. God has spoken to me in my spirit. Il y a des moments où il te donne une connaissance étendue sans entendre de voix. C'est-à-dire, tu es là, tu comprends un phénomène. At some times, God can give you a knowledge without hearing His voice. That is, you can understand a phenomenon. On dit, il ouvre ton esprit. That is, it says, it opens your mind. Il y a des moments où le verset que tu lis toujours, there are times that the verse that you always read, il vivifie le verset. It gives life to the verse. Tu sens comment un message sort de ce verset comme tu ne l'as jamais senti. You can feel how a message comes out of that verse as you have never felt it. Hallelujah. Praise the Lord. Il peut te faire tomber en extase. He can make you fall in a vision. Il te montre une vision. And shows you a vision. Il peut t'enlever en esprit. Il peut faire que ton esprit quitte ton corps physique pour entendre. L'apôtre dit qu'il avait ravi en esprit. Ça n'a rien avec ce que les sorciers font, qui sortent du corps pour aller manger la chair humaine. It can lift you up from your spirit. That is, it takes your spirit from your body up. It has nothing to do with that what the witch do. J'attends le jour où il va m'amener. Il m'a déjà ravi en esprit, mais il ne m'a pas amené au paradis. J'attends le jour où il va me faire visiter le paradis. Je viendrai vous dire comment c'est là-bas. Waiting for the day will take me up to visit paradise. Ce qu'il m'avait dit, m'a donné la foi au ministère de délivrance. What he taught me gave me faith in the ministry of deliverance. Parce qu'il m'avait dit, because he taught me, utilisez ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. Trois fois. Three times. Parce que je priais. Because I was praying. Et je me lamentais sur les sœurs malades. I was lamenting myself over the sisters who are sick. Mais c'était une mauvaise prière. And it is a bad prayer. C'était des prières de lamentation, comme si Dieu n'avait pas encore travaillé sur la croix pour it nous. It was a prayer of lamentation as if God has not worked on the cross. Et puis je suis revenu and I came back to myself. Et la conviction du péché que j'avais eu ce jour-là, je ne l'ai jamais eu. The conviction of sin that I had that day, I had not got it before. Quand je suis revenu dans mon corps, when I came back into my body, j'ai demandé pardon à Dieu. I asked God to forgive me. J'ai dit, pardonne-moi, j'ai mal prié. J'avais la conviction que j'ai élevé une mauvaise prière. I had the conviction that I raised a very bad prayer. Donc il m'avait ravi pour corriger tout mon système. So he took me up in order to correct all my system. Depuis ce jour-là, starting from that day, je comprenais que Jésus a payé le prix pour la guérison de tous les malades. I understood that God has paid, Jesus has paid the price for the healing of all the sick people. C'est nous qui devons utiliser cette puissance. We are the one who should use that power.
Hallelujah. Praise the Lord. Depuis ce jour-là, since that day, j'ai une conviction. I had a quand quelqu'un me dit le démon m'a fait ceci, le démon, je vois déjà sa délivrance. When someone tells me that the demon has done this, he has done that, I already see his deliverance. Quelqu'un m'a dit un jour, someone told me one day, utilisez ma puissance. Use my power. Et c'est le Seigneur Jésus. And it's the Lord Jesus. Le frère Zach nous a montré que voici comment on fait. Brother Zach has shown us this is the way, this is how we do it. Il nous a lu une méditation. He read to us a meditation. Il était en Israël. He was in Israel. Il voulait sortir. He wanted to get out. Et Dieu lui a dit, and God told me, mon fils, my son, je ne suis pas dans ce lieu. I'm not in this place. Ne sors pas. Do not get out. Il n'est pas sorti. He didn't get out. Et il nous a lu la méditation. And he read the meditation to us. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça qu'on médite. So I said, okay, this is how we meditate. Depuis ce jour-là, starting from that day, les méditations ont changé. My meditation changed. Ce n'était plus les commentaires des Écritures. It was not only the commentaries of the scriptures. Dieu nous dit ici qu'il est bon pour nous. Ça, c'est bon. C'est le premier niveau de la méditation. So making commentaries is good because it's the first level of meditation. À un moment donné, but at a certain time, selon la liberté que tu as créée en toi, according to the freedom that you have created in you, en te débarrassant du péché, by getting rid yourself rid from et sin, de tout ce qui peut troubler l'âme de l'homme, and everything that can trouble the soul of man, pour avoir des oreilles du cœur calme, to have some ears and hearts that are calm, tu auras beaucoup de révélations. You will have many revelations. Au début, in the beginning, le faiseur de disciples peut lire, the disciple maker can read, pour discerner tes tendances, just to see your tendencies, pour voir si ton esprit est rigoureux, to see if your spirit is rigorous. Si tu es là pour dire mon fils voici ta femme, mon fils voici ta femme, if you are there to say my son this is your wife, on peut t'aider, on corrige, we can correct it, et tu deviens normal. And you become normal. Même quand tu es mûr, even when you are mature, tu dois apprendre à discerner. You must learn to discern. Est-ce que ce que je reçois vient de lui? Is what I'm receiving, is it from him? Là, on va voir ça un autre jour. And that one we see it next time, another day. Aujourd'hui, today, nous avons vu comment on peut discerner la voix de Dieu. Today we have seen how we can distinguish the word of the voice of God. Les conditions intérieures qu'on crée pour que les oreilles de l'esprit soient ouvertes. The inward conditions that you must create so that your ears can hear the voice of God. Que le Seigneur bénisse tes débuts. May the Lord bless your beginning. Et qu'il révolutionne. And may he, la pratique de ceux qui sont déjà dedans. May he create a revolution in the practice of those who are doing it. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Tenons-nous debout. Let's rise. Dis Seigneur. Say Lord. Enseigne-moi à méditer. Teach me to meditate. Restaure ceux qui méditent déjà. Restore those who meditate already. Et qui ont rétrogradé. And who have backslided. Même ceux qui n'étaient pas là ce soir, qu'ils soient bénis avec les partages et qu'ils commencent à méditer. Que ceux qui ont toujours fait des commentaires stériles expérimentent des commentaires révolutionnaires et reçoivent des révélations claires. Des révélations authentiques, qu'ils sachent discerner ta voix de tous les bruits de leur homme intérieur, que les frayeurs, les angoisses, les inquiétudes, les soucis qui troublent l'homme intérieur, qui empêchent l'esprit de s'envoler et de s'élever, soient jugés. Dis Seigneur, say Lord, donne-moi un cahier de méditation. Give me a meditation book. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus.